Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier live TikTok sur la grille de Purple Rain de Prince. Donc, nous allons rapidement voir la grille, je vais vous la jouer un petit peu avec le playback, et puis après je partirai un petit peu en improvisation, et juste après, eh bien, on va voir comment on peut bosser l'improvisation sur ce sublime morceau. N'hésitez pas, si vous me voyez sur YouTube, c'est la rediffusion de mon live TikTok. Donc allez checker mon compte TikTok, c'est Home Sweet Home 1973. Et ceux qui sont sur TikTok, là, dès à présent, eh bien vous pouvez voir tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube, tutoriel avec un S, MAO. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde et puis on va commencer. Hein. On va voir plein de trucs intéressants, vous allez voir. Alors, on va rester plusieurs lives hein, sur cette grille, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, moi, ça va me permettre, comme d'habitude, hein, de travailler le morceau. Donc, avec vous, je partage ce savoir. Allez, c'est parti. On remet le volume comme il faut. C'est parti.
Ok, dur quand on n'est pas chaud hein, de faire quelque chose. On me dit toujours un régal de vous entendre jouer. Merci beaucoup, Singers TikTok, sur TikTok. Ok, alors, l'accompagnement, vous avez vu, je ne le maîtrise pas parfaitement. Il est assez difficile à faire quand même. On est en si bémol majeur. Et le premier accord, en fait, il fait comme ça. Et c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite, dès le premier accord, on reconnaît le morceau, quoi. Alors, donc ça, c'est un si bémol majeur 7, mais avec une neuvième ajoutée. Donc, si on voulait faire l'accord complet, hein, on ferait un si bémol majeur. Là, il part de la corde de ré. Donc qui est la tierce. Tout de suite après, on a le si bémol, la fondamentale. Là, on a le do. Et là, on a le fa. Donc le fa, c'est la quinte, et le do, c'est la neuvième. Ensuite, il fait un petit mouvement du si bémol au la, ici. Et il vient choper la basse de sol, ici. Et on répète le même accord, mais il faut garder la basse de sol. Donc il faut mettre le petit doigt en plus, ici. Ensuite, il fait entendre le mi grave pour aller au fa. Il fait un petit comme ça ghost note. Et ensuite, on a un mi bémol majeur 9 qui n'est pas du tout simple à faire. Généralement, on place ces trois doigts-là. Donc on joue les deux cordes et puis après... Donc après, à la place du fa, on peut faire fa 7 aussi. Donc il n'y a pas d'autres accords dans le morceau. Par contre, ils ne sont pas tout le temps dans cet ordre-là. Ça dépend si on va être à l'intro, si on va être dans les couplets, dans les parties refrain ou dans les parties solo. Mais concrètement, hein, voilà, il n'y a que ça comme accord. La difficulté, c'est vraiment de... Alors, au niveau de la main droite... Faites un peu des espèces d'arpèges, du strumming et puis de l'arpège. Donc. Si vous trouvez que c'est trop difficile pour vous, vous pouvez transposer le morceau. C'est pas un problème, hein. Et du coup, si on transpose le morceau et on fait tout un demi-ton plus bas, eh bien, ça va me donner, par exemple, on peut faire un La sus 2. On rajoute la basse Fa dièse ici. Mi majeur. Ré sus 2. Donc c'est beaucoup plus facile à faire. Alors le mi, vous pouvez faire un mi majeur 9. Là aussi, c'est sympa. On va garder la tonalité normale du morceau en si bémol majeur. Donc aujourd'hui on va travailler la gamme pentatonique en si bémol majeur. Donc il existe plein de positions, hein. Je vous en donne une par exemple, celle-ci. Et alors, ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on va faire, et ce que je vais faire, c'est cibler à chaque fois mes fins de phrase pour retomber sur la note si bémol.
Donc par exemple, je fais une phrase hein, simple. Donc, tous les si bémols de toutes mes positions de la gamme pentatonique en si bémol. Il y en a un ici, hein, par exemple, ici aussi. Cibler cette note importante et sur toute la grille pour l'instant on va faire ça, on va faire cet exercice, pardon, je vais y arriver. Ici aussi, hein. Allez, c'est parti, je lance l'accompagnement et puis bah, je vais m'entraîner sur ça.
Ok, bon, les doigts se réchauffent un peu. Alors, vous avez vu, j'ai vraiment ciblé tout le temps mes phrases, articulé mes phrases, fait mon phrasé autour des si bémols, qui est la fondamentale du morceau, et dans toutes les positions de pentatonique. Alors, certaines fois, je suis pas tombé au bon moment. C'est ça qui est difficile aussi, c'est de cibler la phrase pour que vous retrouviez le si bémol au bon moment, à chaque fois. Et puis, j'ai fait quelques erreurs de position de gamme. Voilà, mais le principe est là. Maintenant, on va faire le même exercice, sauf qu'on va utiliser les si bémols toujours pour nos phrases, la gamme pentatonique en si bémol majeur, mais aussi, on peut utiliser la gamme complète de cette note de si bémol majeur, donc qui fait si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, la, si bémol. Je vais essayer de cibler les si bémols et de faire des phrases en pentatonique et en plus avec cette gamme majeure qui rajoute en fait deux notes. Allez, c'est parti. Voyez là.
profite, je suis en train de travailler un petit peu ce qu'on appelle l'alternate picking, un mot un petit peu barbare. En fait, je le travaille sur les gammes pentatoniques, et du coup, par exemple, sur deux cordes, on va commencer en retour, donc c'est la main droite. Retour, aller, aller, retour. Et puis après, je prends une autre portion de la gamme pentatonique, et pareil, je fais retour, aller, aller, retour. Débute hein, dans cette technique, mais du coup ça permet vraiment de bosser toutes ces gammes pentatoniques comme ça et sur toutes les cordes. Hein, je pourrais prendre ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de voir ces gammes pentatoniques non pas verticalement, mais de façon horizontale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, la difficulté, elle se passe vraiment à la main droite. Donc, vous avez vu que... ça marche très bien de cibler le si bémol, hein. C'est vraiment, faut vraiment axer ses phrases là-dessus. Hein. Là, je fais pas que la gamme pentatonique, hein, je fais la gamme majeure. Ça permet aussi de travailler un peu le legato, hein, c'est-à-dire. Ok, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Alors, je regarde par là-bas, parce que mon téléphone est loin de moi, pour pouvoir voir ma guitare presque en entier. Et comme je suis une personne très très âgée, et que je vois pas ce qui est écrit sur le téléphone, merci TikTok de pouvoir avoir l'option de pouvoir agrandir les commentaires sur l'écran. Donc du coup, je repique l'écran de mon téléphone sur mon ordi, et là, je vois beaucoup mieux. Voilà. Alors, une autre chose, je vais permettre de parler de mon cas, comme ça, ça vous évitera sûrement des erreurs. Quand j'ai commencé à prendre la guitare, tout seul, et puis très vite j'ai pris des cours, j'étais assez jeune, hein, j'avais 15 ans je crois, j'ai tout de suite tenu mon médiator avec les mauvais doigts, c'est-à-dire avec le pouce et le majeur, pas avec le pouce et l'index. Et depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours joué avec le pouce et le majeur. Ça me convient très bien, ça me convenait très bien, sauf que j'essaye de changer en mettant le pouce et l'index. Pourquoi ? Pour faire ce qu'on appelle de l'hybrid picking, c'est-à-dire pouvoir jouer des notes, des cordes au médiator et d'autres avec le majeur, voire l'annulaire. Et donc du coup, je me force, depuis hier, hein, c'est très récent, je me force à jouer avec le pouce et l'index, et je vous jure, c'est comme si, je sais pas, bon, un joueur de tennis, il est droitier, il a sa raquette à la main droite et puis il la prend à la main gauche. Je vous garantis, c'est vraiment très pénible. Je cherche mes cordes, etc. Mais je vais me forcer maintenant à ne plus jouer avec le pouce et le majeur, mais avec le pouce. Donc, tenez bien votre médiator, votre plectrum, comme diraient les anglo-saxons, avec le pouce et l'index. Hein ? Faites-le dès le départ, parce que... Et donc,
comment dire, hybrid picking, par exemple, on peut faire des phrases un peu comme ça. J'attaque avec mon médiator et celle-ci avec le majeur. Je gratte la corde avec le majeur. Il y a plein de techniques comme ça. Je commence depuis hier, hein, comme je vous dis. Donc, il va me falloir de l'apprentissage et du courage, mais... Et ça, ça marche super bien quand c'est bien réussi, cette phrase, sur ce style de morceau. Hein. Et là, c'est médiator et doigts. Pareil ici. Allez, je vais essayer, tiens, de... Bonjour, bonjour, Saïf. Bonjour, tu gères, merci, merci beaucoup, c'est gentil. Je vais essayer de placer cette phrase pour la travailler avec vous, donc n'hésitez pas si vous voulez la repiquer, la reprendre, hein. Je vais essayer de la faire en boucle jusqu'à ce qu'elle passe mieux, mais la difficulté, hein, j'insiste, c'est bien plus à la main droite où on a cette hybrid picking, c'est-à-dire là, en plus, alors au niveau des allers-retours, donc je fais aller-retour, aller, retour, je slide, aller, majeur, médiator, je fais un bend d'un ton, ici je joue avec le majeur, allez je vais essayer de placer cette phrase sur la grille. Plus vite. Tu écris trop vite, j'ai du mal à te suivre. En fait, je retransmets tous mes live TikTok sur ma chaîne YouTube. Donc, tu pourras revoir et mettre justement des pauses, faire des relevés. Sur ma chaîne YouTube, c'est tutoriel avec un S, M-A-O. Donc, je retransmets tous mes live TikTok dessus. Là, je suis en train de capturer tout le son et l'image vient du téléphone. Et donc, après ce live, ça prend à peu près une heure et demie plus tard, deux heures plus tard, tu le retrouveras sur ma chaîne YouTube. Mais il faut quand même rester sur mon TikTok, hein, sinon... J'adore cette phrase, mais il faut la travailler pour bien la réussir. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, on peut aussi utiliser la technique qu'on appelle des double stop. C'est-à-dire, c'est de jouer deux cordes en même temps. On peut même très simplement avoir ça, hein. Là, ça marche aussi, hein. Mmh.
On peut la voir ici. Allez, je vais essayer un peu ça aussi, tiens. Dans vos phrases. Question, donc du coup je me permets d'arrêter le playback. Chouette son, merci. Et tu te branches dans quoi? Alors je l'ai déjà expliqué, mais c'est un plaisir de le réexpliquer. J'utilise pas d'ampli, j'ai un ce qu'on appelle un home studio, c'est-à-dire que j'ai une carte son branchée à mon ordinateur. Je branche la guitare dans ma carte son, la carte son elle est reliée à des enceintes, et j'utilise un logiciel qui me permet d'avoir le playback et même d'enregistrer, d'ailleurs si je souhaite enregistrer, et puis d'utiliser un plugin qui va émuler, simuler des amplis de guitare et des effets. Et je les ai presque tous, mais mon préféré à moi, c'est personnel, hein, c'est THU d'Overload. Franchement c'est une tuerie. Alors après il y a des presets par centaines, ils sont très bons, et moi, dès qu'il y en a un qui me plaît, eh bien je le prends et puis je le modifie un petit peu pour le mettre vraiment à mon goût, à ma personnalité, à mon jeu. Voilà, donc là, c'est des presets que j'ai fait moi sur ce logiciel, Ciel, hein, pardon. J'aime bien Bias FX. Ouais, moi j'ai aussi de chez Positive Grid, j'ai Bias FX, Bias Amp 2, je trouve qu'ils sont bons. Mais, par exemple, Bias Amp 2, il émule que les amplis, il n'y a pas les effets, alors faut lui additionner, il ferait mieux de tout regrouper, hein. Je les ai, hein. J'ai Guitar Pro 6 aussi de Native Instruments qui est plutôt bien, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement, alors attendez, comment il s'appelle celui-là que j'ai acheté dernièrement, qui est pas mal, STL Init Amp Hub, c'est pas mal. Voilà, puis je les ai tous, donc il y en a d'autres. Hein. Il y en a de très bons aussi, mais il faut mettre un peu, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est de chez Blue Cat Audio. Ça s'appelle, si je dis pas de bêtises... Alors, il y en a pareil, il y en a deux ou trois. Il y a Destructor pour les distos. Enfin, il y a vraiment de très, très, bons, très, bons, très bonnes choses. Ouais. Avec un SM57, c'est top. Mais il faut gérer la prise de son. Ouais. Moi, comme j'ai une électrique et une électroacoustique, en fait, j'utilise pas d'ampli, et tout ce que j'enregistre, ça passe dans ma carte son, ça va dans mon séquenceur.
J'utilise là, comme je vous dis, des logiciels pour sound designer mon son. Et puis après, je fais le mixage dans mon séquenceur avec des effets. Et franchement, ce son-là que j'ai modifié, comme je vous dis, je suis parti d'un preset existant et je l'ai un peu plus énervé. Le seul reproche par rapport, par exemple, à un très bon ampli à lampe, c'est que si je baisse un peu le volume, vous voyez là, j'ai une petite marge, mais on n'a pas assez de... Donc pourtant, j'ai des pédaliers aussi, multi-effets. Il faudrait que, comme ils sont compatibles MIDI, il faudrait que j'utilise, peut-être j'essaye avec la pédale d'une de mes machines. Là, il faut que j'essaye ça. J'ai pas eu le temps de le faire, mais... Avec un Rode, mes acoustiques. Oui, pour les acoustiques, c'est vrai qu'il faut passer par un micro. Ouais, le gain est figé. Voilà, c'est tout à fait ça. Il est un peu figé, le gain. Ouais. Les distos, j'adore. Hein. Pareil, c'est un preset que j'ai fait moi, mais... Après, faut aimer, hein. Moi j'adore ce type de son, donc ça me va, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Donc ouais, moi j'aime bien ces sons comme ça. Je suis d'avant aussi, hein, et le son d'accompagnement aussi, hein, que j'ai fait aussi spécialement pour ce morceau, mais. Franchement, j'ai des pédaliers, j'ai le Head Rush notamment, qui est génial, hein, que j'adore, avec un écran tactile et tout. Un jour, je vous montrerai. THU s'en sort drôlement, drôlement bien. Merci, Olive, pour l'abonnement. Et ouais, voilà, avec mon message, je peux obtenir un son clair en baissant mon volume. Et ouais, là, le seul encore, je dirais, de nos jours, maintenant, le seul vrai manque, je trouve, c'est par rapport à un ampli, un vrai ampli à lampe, par exemple, c'est que, effectivement, la gestion de baisser le volume pour changer le grain, un peu, bah, on ne l'a pas encore véritablement trouvé grâce au logiciel. Après, par contre, il suffit de se créer un patch légèrement différent avec moins de grains et moins de gains et de passer de l'un à l'autre. Maintenant, les logiciels, ils permettent vraiment, et notamment celui-ci, ils permettent de passer d'un preset à un autre sans coupure, vraiment. Donc, même la reverb de l'ancien preset, elle continue un peu pour amener au preset suivant. Donc, c'est vrai que c'est pas mal ça. Mais de toute façon, moi j'aimerais bien un axe aussi, axe affix, ils en sont aux 3 je crois maintenant. J'avais eu, un pote m'avait prêté il y a quelques temps un Kemper aussi. C'est très bon, hein. C'est très bon Kemper, j'ai beaucoup aimé le son. Par contre, le logiciel qui traite pour faire les effets, enfin, ça date du siècle dernier, j'ai l'impression. Et pourtant, tout le monde utilise ça sur scène parce que ça a un super son. Mais à programmer, je vous dis, c'est une galère, pas possible.
peux-tu nous faire une musique ? Alors non, dans mes lives, pour l'instant, je fais que ce que j'annonce dans le titre. Donc là, on est sur Popper Ren de Prince. On me l'a beaucoup demandé, donc c'est pour ça aussi que je l'ai fait, même si j'adore ce morceau, mais... Mais dans quelques mois, je le ferai, ça. Promis, je le ferai. Ouais. Alors, autre chose, j'en ai pas parlé dans ce morceau, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut, à certains moments, sur certains accords, jouer la gamme de si bémol mineur pentatonique. Après, on peut résoudre par la tierce mineure à tierce majeure. Et la mineure. Majeure. Mineur. Allez, je vais essayer ça, tiens. Majeur mineur. Je reviens en majeur. Mineur. Oh,
Bravo, merci. Beaucoup de fausses notes, hein. Ça c'est ma particularité. Donc je lis vos commentaires, hein. En tout cas, le solo est terrible, bravo, merci. T'as cru que c'était quoi comme morceau Ordinary World c'est de qui? C'est de qui Ordinary World? Je sais pas de qui c'est. Un truc aussi intéressant à faire, un moment, sur la fin, dans le solo, il fait le si bémol, donc le mi bémol, pardon. Donc faire le mouvement de basse. Et du coup, le faire dans l'impro, vous chopez un mi bémol. Partout, vous avez un mi bémol. Pour moi, le médiateur, c'est terrible. Mais je vais y arriver, hein. Je vais jouer que maintenant, que comme ça, que avec le pouce et l'index. Hein. Je commence à avoir mal aux doigts, là. Ah, il est déjà 5h20, et ça fait un petit moment qu'on est déjà en live. Donc allez, je vais refaire une grille entière d'impro, et puis après, je vous donnerai rendez-vous. Alors, pas demain, parce que je suis pas là. Peut-être dimanche après-midi ou au plus tard lundi. N'hésitez pas, je retransmets tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube, tutoriel avec un S, MAO. Allez, c'est parti. C'est parti. Hop. We'll be right back.
Merci à tous d'être passés. Force à vous, bossez bien la guitare et je vous donne rendez-vous peut-être dimanche ou sinon lundi. Allez, bye!